Ok, on a vu Pimousse, maintenant on va un peu parler de moi, on va un peu voir ce que je fais sur la chaîne. Donc beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces pour progresser en musculation et des programmes, c'est pour vous les guerriers. Je parle à YouTube là. Ouais, il falloir que tu trouves quelque chose à dire. Salut les guerriers. Salut les guerriers. Oh, salut les guerriers. On est là, bah on s'est lancé sur YouTube, donc on continue, on lâche pas. Par contre, j'aime pas moi ce profil. On va se prendre ici. Ah, le soleil revient. Faut être souriant, montrer que t'as envie de participer. Tiens, ouais, noir, c'est juste. Pète, ils sont en tension, sa mère. Ça va là. Tu crois pas que t'es un peu trop près? Arrête de zoomer. On va prendre un gros plan. J'espère que ça vous fait plaisir. Non. Je suis pas en retard. À la base, il devait venir me chercher chez moi. Va me docker. Je suis grave en retard. On n'est pas trop dans le noir là. Hop. Ça sent bon, on dirait un bonbon. Mon cerveau, il allait faire ouh, du sucre. On n'est pas là pour manger du sucre vous allez en trouver partout. Donc si vous voulez de la c'est protéine, ça. Achetez une protéine pure. Là on a la prot, pour faire du muscle, il faut ceci, mais il faut aussi cela. Bon, je fais pas un placement de produit, je suis pas sponsorisé. Gardez votre argent pour acheter de la vraie viande, du vrai poisson. On dirait que je suis un gros lard dans cet angle là, non? Bon, là on est un peu en prise de masse. Je mange de la merde toute la semaine. Je sais que je suis une merde. Donc là on va se taper 3 kilos de protéines. C'est chaud. Cookies, c'est bien. J'ai des protéines tous les 2-3 heures, mais je m'enfile pas 5 steaks tous les 2-3 heures. C'est bon gros. Tu bois que de l'eau tous les jours. Putain de balade. Ça c'est toi. Un peu sucré, ça passe. Plus je mets d'eau, plus j'ai à boire. Il y en a là-dedans. Et ouais, il en a là-dedans. Tiens, ça gratte l'air. Il y a personne qui veut m'acheter des shakers. Ça fait un an je réclame des shakers. Ah mes shakers qui fuient. Je suis malade. Oh putain, je suis chaud. Allez vite la salle. Vous n'avez pas de salle chez vous ou vous avez la flemme de payer 20 euros tous les mois, venez à Decat. Choisissez bien votre salle les gars. Je me chauffe là, je fais l'arbitre, genre vous m'entraînez. C'est mieux que mon lit, je pourrais dormir. La musculation c'est mon sport, j'en ferai toute ma vie. En fait avec Albino on a commencé à muscu chacun de son côté. Place à l'entraînement. Excuse-moi carré. On va le rattraper, hein. Il fait le malin avec ses 120 kilos. Vous allez voir ça. Donc il va exploser tout le monde sauf moi. Il va s'occuper du niveau 1, donc ça sera sans les sauts et moi du niveau 2. Il est plus faible, c'est normal. Ouais, ma vie. Je sais que tu veux pas que je te rattrape, mais ça sert à rien de jouer à ça, je vais quand même y arriver. Pimousse, on est dans le temple et je vais te rattraper. De toute façon, c'est un sport où il faut pas se comparer aux autres. S'il est arrivé, je peux y arriver. Faire 3 séries de 8, je vais pas être très lourd. 100, 110 kilos. Il est chaud le garçon. Donc je rappelle pour Pimousse, hein, une répétition maxi, c'est amplitude complète. Moi c'est amplitude complète, hein, il triche un peu le garçon. Là vous les mettez bien as, comme ça. Et ça c'est la technique d'Albino pour les jambes. Au moins il est sûr de pas descendre trop bas. Hop, il remonte. Triche, mais je vais le rattraper quand même. C'est quand ça fait mal qu'on progresse. Une demi-heure l'arrêt. Le poids c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. On n'est pas des haltérophiles. Hein. Et je vais le rattraper quand même. Je vais croquer Pimousse. Ah lui il est fou, la vérité il est fou. 35, 45, 55, 65 x 2. Calculez-vous. Bon arrête de faire le malin parce que la semaine prochaine je vais me faire une série. Facile. À 18 000 séries tu vas pas vraiment en face. J'ai un peu l'air d'un esclave là, avec la chaîne et mon boulot. Je peux pas traîner. Je rentre chez moi, j'en ai marre. On se voit tout de suite avec les premiers exercices. Avec les premiers exercices. Mais alors grand droit, donc les abdos principaux que tout le monde a. Principaux. Et oublie pas que je suis nigré ici. Moi c'est un vrai travail d'arabe. Tahia al-Jazari. On fait pour les gens, passer de 120 kg à 60 kg, ça change une vie. Ça c'est le secret ultime pour avoir un dos épais les mecs. Si vous faites bien ça, vous allez avoir un dos énorme. Comment on peut par exemple travailler les épaules avec le corps barre? On va avoir le plus gros bras que mes mollets. Je sais pas, vous en pensez quoi? Et ici d'avoir les cuisses vraiment parallèles au sol. Ici, vous voyez ma cuisse, le sol. C'est l'épaule qui part d'abord en arrière. Ce mouvement-là, il est super important. On ne travaille pas les bras ici. Et là, deuxième exercice, la bronzette. Donc là, on s'installe, le dos bien ancré au sol, les bras derrière la nuque, on croise bien les doigts et on expire. On peut même le faire debout, sans poids, où on maintient la tête. Hein. Avec sa main, bon, on a l'air d'un handicapé. Hein. Perturbé. Vas-y, moi je vais aller jouer, c'est bon là, stop. Arrête tes conneries, moi il y a plein de trucs qui m'attendent là-bas. Je pourrais continuer toute la journée. Cherchez pas à payer des salles à 20 balles par mois. Faites d'abord à la maison, voir de quoi vous êtes capable, si vous aimez vraiment ce sport. Pas aller à la salle pour parler, allez-y, vous sortez de là, vous devez avoir cette sensation d'avoir tout donné. Mec, ils font ça, mettez les mains. Ils poussent. Ça sert à rien. On voit une fatigue là. Les bras. Prenez en prise inversée, ça va plus engager les avant-bras. Mais cette potentiation, on rajoute juste une petite notion.
pronation, supination. C'est des BCA, donc des acides aminés, et qui permettent de mieux assimiler la protéine, donc mieux récupérer par la suite. Et après, vous avez des épaules striées. Je le répéterai jamais assez, mais l'épaule qui va de haut en bas, le dos bien droit et l'abduction des omoplates. Donc là, coupe à 90, on descend et on vient chercher la contraction des deltoïdes postérieurs. Donc là, ça se trouve juste derrière l'épaule. C'est directement, c'est un exercice de finition, ça sert à rien de mettre lourd. Je veux jamais voir les épaules qui s'engagent vers l'avant. Là, sinon, c'est le deltoïde qui va tout prendre. Donc gardez bien vos épaules en arrière et engagez seulement les pectoraux. Si on descend, on va chercher la tension, tension, tension. Là, c'est plus dur de remonter. Ah, j'arrête pas de vous regarder, vous, alors je sais pas, me regardez moi. Alors, tu peux te regarder ici, voilà, ici. C'est mieux pour vous, non? Ah, c'est mieux pour vous, non? Là, écoute. T'entends ça? Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Voilà les petites astuces. J'espère que ça vous a plu. Bon, ben, petite vidéo. Il n'y avait pas de thème.